Isoler les murs qui donnent sur l'extérieur, ça peut être très pertinent. Donc ça inclut de créer un doublage pour poser des rails métalliques, prévoir de la laine de verre de 10 cm environ, et plaquer avec du placo par-dessus. Donc l'inconvénient, c'est que ça réduit un petit peu l'espace habitable, parce que bah forcément, en doublant tous les murs, ça plus volumineux, et donc du coup, bah vous perdez un peu d'espace. Par contre, rien qu'en faisant ça, vous êtes sûr quasiment déjà de gagner une lettre, si ce n'est deux, sur le DPE dans certains cas. Donc ça vaut vraiment le coup de doubler les murs qui donnent vers l'extérieur. L'autre avantage que vous avez, c'est que si vous devez refaire votre installation électrique, par exemple en tirant des câbles et des gaines pour alimenter les radiateurs, eh bien vous pourrez passer les câbles dans le doublage en placo, ce qui évite de poser des goulottes qui sont moins esthétiques. À l'écran, je vous diffuse une ligne d'un devis, par exemple, de rénovation qu'on a pu avoir pour doubler des murs extérieurs. Donc vous voyez, en gros, vous allez avoir à peu près environ 22 € du mètre carré pour la partie isolation, donc laine de verre, etc. Et vous allez plutôt être autour des, en moyenne, 40 € hors taxe du mètre carré pour tout ce qui va être donc pose de rail, pose de placo, vissage, etc.